Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons apprendre à jouer un chant très intéressant, donc qui est Car il est glorieux. C'est un chant pour lequel j'avais déjà enregistré une première vidéo, mais seulement qui traitait de la seconde partie. Et l'on m'a demandé, voilà, de faire une vidéo sur la première partie. Donc, c'est ce que je vais faire. Et je ne vais pas me priver aussi d'aborder rapidement la seconde partie pour faire un tuto complet. Donc, ceci dit, rentrons dès à présent dans le vif du sujet. Nous allons jouer le chant en gamme de Do dans une première partie avec des accords assez simples et dans une seconde partie nous allons essayer de l'agrémenter avec des accords de passage, avec des accords enrichis, des accords gospel, donc pour rendre le chant beaucoup plus intéressant. Donc la première partie, voilà ce que ça fait. Ensuite il y a une descente. Fa, mi, ré, do, la dièse, sol sus quatre, sol. Donc la descente, ça fait fa, mi, ré, do, la dièse. Ensuite, vous faites na, na. Donc ça fait, ça c'est un sol sus quatre ou un do sus deux renversé. C'est pareil, donc. Na, na. Donc on reprend. Re, sol. Ensuite la descente. Fa, mi, ré, do. La dièse. Jusqu'à sol. Re. Ensuite la deuxième partie. On reprend. Vous pouvez ajouter un mi mineur. L'agneau fa est sous sol veut régner. Donc la modée c'est do ré mi. Vous allez nous fa les bons sols nos fa do. La do ré la mineur, l'agneau, bien ré mineur, l'agneau pour terminer est sous sol, verin. On aurait pu faire tout simplement l'agneau fa est sol, verin do ou tout simplement un ré mineur, l'agneau ré mineur est sol. Il est glorieux, car il est fa, pas sol, sol, do, 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 la mineur, la fa, la sol, la do, ré, mi, na, 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 fa. Fa ou bien ré mineur et sol la do. Donc voilà le chant, voilà les accords du chant. Et ça, c'est vraiment les accords de manière très simple. Maintenant, nous allons voir dans une partie, dans une seconde partie, comment est-ce qu'on peut enrichir beaucoup plus le chant. À tout à l'heure. Donc dans cette seconde partie, on va voir rapidement comment est-ce qu'on peut enrichir le chant. Et en fait, la partie qui est le plus intéressant à être enrichie, on va dire, c'est vraiment la seconde partie. Et c'est pourquoi j'avais fait en fait la première vidéo sur la seconde partie. Nous allons le voir tous ensemble. Donc la première partie, c'est toujours le classique. Gloire, 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 sol, gloire,
pareil. Là, c'est quoi on fait en fait? On fait. Car il est le Fa. Donc, à la main gauche, vous restez sur l'accord de Fa. À la main droite, vous jouez Sol. Donc, ce que je fais là, c'est que je joue la note de Mi à la basse. Et à la main droite, je joue un Sol 6. Règne, règne de régner. La mineur 9. L'agneau. Ré mineur 7. Sol 7e. Là, pour jouer les Ré mineur et les Mi mineur, je joue à la main droite le relatif majeur. Donc, sur le Ré, je joue Fa. Sur le Mi, je joue Sol. Donc, ça fait. Fa, les Sol. Do majeur 9. Donc on reprend, et si vous voulez plus de détails, je vous invite à aller consulter ma première vidéo dans laquelle j'ai abordé en fait comment jouer la seconde partie, donc de manière très gospel. Donc, on reprend. Est-ce que quelqu'un peut faire vibrer son esprit ce matin et dire...